Le métier de dompteur de lions compte parmi les métiers les plus dangereux au monde. Et lorsque l'on côtoie des prédateurs de plus de 300 kilos chacun, le risque peut être fatal. L'autre métier de dompteur tout aussi dangereux est celui exercé avec les crocodiles. Lorsque ce dernier décide de fermer sa gueule, l'issue est souvent fatale pour les dompteurs. Au mieux, ils s'en sortent avec de gros points de suture. Ruffir, à côté c'est Princesse. Dans le monde des dompteurs, on dit toujours, on sait la façon dont on rentre dans la cage, on sait jamais comment on va ressortir. Dingan. Donc j'espère que tout va bien aller. Hein. Je touche du bois. Princesse, Chaka, Chaka, Chaka. La peur ne disparaît jamais vraiment. Chaque fois que je rentre dans l'arène, c'est comme la première fois. C'est la même peur. Et j'avoue que quand je vois des images d'attaques de crocodiles sur les dompteurs, j'ai vraiment le cœur qui bat sans l'heure. Chahut arrive à la ferme aux crocodiles de Pattaya, la ville balnéaire la plus proche de Bangkok. Son premier spectacle n'est que dans 2 heures, mais avant, il a beaucoup de préparations à faire. Tous les matins, j'arrive à cette heure-ci, vers 6h37, parce qu'il faut que je nettoie l'enclos. Chahut est dompteur depuis 7 ans. Il est arrivé dans cette ferme par fascination des crocodiles. Mais ce n'est pas une tête brûlée et il reste toujours sur ses gardes. Car en Thaïlande, chaque dompteur se fait mordre au moins une fois dans sa vie. Quand j'ai voulu commencer, ma mère m'a dit « Si tu aimes ça, fais-le. Mais sois très prudent. » Elle ne m'a jamais empêché de le faire. Et comme pour n'importe quel employé lambda, Chahut est tenu de pointer. Comme chaque matin, Chahut fait son petit rituel. C'est indispensable pour avoir le courage de rentrer dans la cage aux crocodiles. Ce sont des crânes de crocodiles qui participaient avant au spectacle. On les a disposés ici pour rendre hommage aux esprits. C'est important. Même si Chahut rentre dans l'arène 6 jours sur 7, il est impératif de toujours rester sur ses gardes. Quand on rentre, il faut toujours être attentif. Il faut bien regarder où sont positionnés les crocodiles, sinon ça peut être dangereux. Chaque crocodile a son caractère. Certains peuvent être de mauvaise humeur un matin, alors que d'autres non. Et il y en a qui nous sautent directement dessus pour essayer de nous mordre. Il faut bien connaître leur caractère. Si Chahut vient aussi tôt le matin, c'est aussi pour transmettre son savoir à une nouvelle recrue. En effet, il n'existe aucune école de dompteurs de crocos. Alors ici, c'est par le bouche à oreille que tout se transmet. Lui, c'est un débutant. Ce matin, je vais lui apprendre la glissade, le salut avec les deux mains. En fait, je vais lui apprendre l'ensemble du programme pour qu'il se familiarise avec les différentes étapes du spectacle. Dépêche-toi! Allez!
Tous les crocodiles, lorsqu'ils commencent l'entraînement, ont tendance à se montrer très agressifs. C'est parce qu'ils ne nous reconnaissent pas tout de suite. C'est seulement quand ils se sont réhabitués à nous qu'ils redeviennent plus tranquilles. L'exercice du jour, une glissade sur le ventre de 25 mètres jusqu'à la gueule ouverte d'un croco. C'est l'exercice qui demande le plus de précision dans le spectacle. C'est bien, mais pourquoi tu n'as pas mis ta tête dans la gueule? Bien se préparer et anticiper la réaction de l'animal, c'est la clé pour éviter l'accident. Le dompteur doit être particulièrement bien préparé, mais pour autant, le risque zéro n'existe pas. Le cirque Pinder est en route pour une nouvelle tournée nationale. À sa tête, Frédéric Edelstein, l'un des meilleurs dompteurs de sa génération. Il y a 6 ans, il s'est fait attaquer par ses propres lions. Il a failli perdre la vie en plein spectacle. Lui s'en est bien sorti, mais d'autres n'ont pas eu sa chance. Frédéric est né il y a 46 ans sous le signe du lion, dans la ville de Lyon. Un peu comme si tout était prédestiné. Après 260 km de route, l'équipe du cirque Pinder arrive à destination. Et voilà, arrivé à Lyon. Frédéric est le dompteur des fauves, mais aussi le directeur du cirque. Cette double casquette l'oblige à être sur tous les fronts. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Là, maintenant, placer tout le cirque, délimiter l'enclos de tous les animaux, délimiter l'emplacement du chapiteau. Ouais, ouais. Okay. Et placer tous les camions, toutes les caravanes, les 4,5 km de convoi, les 33 semi-remorques. Ça, c'est pour Facebook, parce qu'on est moderne. Pour ces 23 fauves itinérants, le voyage est une distraction. Chaque changement leur permet d'échapper au sentiment de lassitude et du coup, les animaux sont plus équilibrés. Ils n'ont pas l'air stressés du tout, tu vois. Oh, mais pipi, pour s'installer, il faut à l'équipe une journée entière. Et avec des frais d'environ 30 000 euros par jour, il n'est pas question pour Frédéric de perdre une seconde. Le cirque Pinder, c'est à lui seul 147 personnes mobiles, 4,5 km de convoi, et il tourne dans 190 villes en France chaque année. Bienvenue à tout le monde. Ok, Maïdiki. Hein? Derrière ce chef d'orchestre, un homme est constamment présent, Dicky Chipperfield. Cet Anglais, ancien dompteur, est un véritable mentor pour Frédéric. Mais il est surtout son ange gardien. Dicky, c'est, je dis toujours, c'est comme mon deuxième père, parce que Dicky m'a tout appris avec les lions. J'écoute ce monsieur qui a 72 ans, parce qu'il a l'expérience que je n'ai pas, et tout ce que lui a connu, il l'a fait avant moi. Dicky connaît bien les réactions des lions et ce qu'il faut faire pour éviter que ça dégénère. La chose importante avec laquelle il faut être prudent quand tu rentres dans la cage avec un autre lion,
c'est de bien vérifier qu'il n'a pas peur des autres. Il faut tout de suite être gentil avec lui, le rassurer, lui expliquer qu'il n'a pas à avoir peur, qu'on est son ami, et les lions vous feront confiance si vous faites ça. Comme le dit très justement mon père, c'est mon assurance-vie, parce que c'est le seul qui est apte à rentrer dans la cage comme ça rapidement si jamais une bête m'attaque ou si jamais une bête me fait tomber et vient sur moi. C'est arrivé il y a 6 ans en arrière à Saint-Calguildo en Bretagne. J'ai une lionne qui s'est fait attraper par un tigre que j'ai voulu sauver des pattes du tigre qui était en train de la tuer au moment où ils rentraient, donc où ils arrivent dans le tunnel et au moment où ils rentraient dans la cage. Et Dickie m'avait toujours dit, quand vous avez une bagarre, regardez derrière vous, vous avez toujours une bête qui vient derrière vous. Et moi, j'ai pensé à sauver ma pauvre lionne qui allait se faire tuer par le tigre. J'ai pas regardé derrière moi, j'ai un lion avec les griffes qui m'a attrapé les bottes du spectacle. J'ai alors trébuché, je suis tombé. Et là, toutes les bêtes sont venues sur moi. Et si Dickie n'avait pas été à l'extérieur de la cage, je serais mort ou dans l'incapacité de pouvoir vous parler. Donc, ouais, Dickie, je le remercie tous les jours d'être là, d'être avec moi. Et surtout, de, encore maintenant, je vous le disais, comme un boxeur, comme un pilote de Formule 1, parce que c'est des métiers à risque. Sophie. Même si ce sont les dompteurs qui sont au sommet de l'affiche, c'est grâce à un véritable travail d'équipe qu'ils peuvent se retrouver seuls dans l'arène. Après la séquence d'entraînement, c'est l'heure pour Shaout de prendre son petit déjeuner avec ses collègues. C'est un moment important pour chacun. On mange ensemble, on discute un peu du spectacle, du caractère et de l'humeur des crocodiles. Donc, oui, c'est important de manger ensemble en équipe. Après le petit déjeuner, atelier musculation obligatoire pour tout le monde. Ici, tous les appareils ont été fabriqués par les dompteurs eux-mêmes, avec des seaux, du béton et quelques barres de fer de récupération. Après ça, on devrait plaire aux filles. On s'entraîne tous les jours pour avoir suffisamment de force pour affronter les crocodiles. Pour le premier spectacle de la journée, Shaout ne rentre pas seul dans l'arène. Trop nerveux, les crocodiles pourraient avoir une mauvaise réaction. Le matin, il vaut mieux être à deux pour veiller l'un sur l'autre. Les crocodiles restent des animaux sauvages et dangereux. Même si les dompteurs ont une excellente connaissance de l'animal, tout peut arriver. Ça, c'est une morsure de crocodile pendant l'entraînement. C'est au moment où j'ai pris le crocodile dans les bras, il m'a mordu à l'épaule. Les premiers contacts avec les crocodiles ne sont pas faciles. Ils paraissent nerveux et ne veulent pas se laisser faire. Mais les réactions sont en fait provoquées par les dompteurs. Ils veulent montrer au public qu'ils ne jouent pas avec un gentil animal domestique. C'est l'heure maintenant de faire la figure la plus délicate du spectacle, la glissade et la tête dans la gueule. La tête dans la gueule est évidemment la figure la plus impressionnante pour le public. Et elle n'est pas sans risque. Un dompteur de la banlieue de Bangkok en a fait les frais. Le crocodile ne voit que sur les côtés, mais quand il voit quelque chose passer, pour lui, c'est une proie.
Ici, le dompteur fait une erreur colossale. Il arrive par le côté et non face à l'animal. L'instinct de tueur du crocodile revient immédiatement. Alors, pour Shaout, même s'il a l'air complètement décontracté et sûr de lui, rien n'est acquis. Il sait parfaitement qu'il ne faut jamais baisser sa garde face à l'animal. Avant de venir me présenter pour ce travail, je n'avais jamais vu ces vidéos d'attaques de crocodiles. À l'époque, je ne pensais pas à la notion de danger. J'avais un peu peur, oui, mais j'aimais les crocodiles et je voulais faire ce travail pour cette raison. La tête dans la gueule, c'est ce qui est le plus risqué et le plus impressionnant. C'est un peu ce qu'attendent les spectateurs. Mais les spectateurs n'en ont jamais assez. Et pour quelques billets de plus, les dompteurs vont recommencer. Ce qui fait vibrer le public, ce sont les risques encourus. Les dompteurs le savent bien, ils travaillent leur show dans cet esprit de danger, mais maîtrisé. Et ça passe par des heures de dressage. Allez, je vais répéter avec mon dikir. Okay. C'est l'heure pour Frédéric de passer à sa séance de dressage et d'entraînement. Good boy, good boy. Là, je vais vous faire le numéro avec les 12 lions blancs. Allez, hop, oh. Qui sont la grande nouveauté et la grande fierté du Cirque Pinder pour la tournée 2015. Zuli, plaît, Chiba. Ah, Chiba, Zuli. Pour éviter que les lions ne se lassent, les séances d'entraînement sont courtes, pas plus de 20 minutes par jour. Les lions de Frédéric doivent répondre au doigt et à l'œil et bien écouter les ordres. Et ça, quelle que soit la langue. Je veux dire anglais et allemand. Pourquoi ? Parce que l'anglais, ce sont des syllabes courtes et allemand parce que c'est plus guttural. Quand on dit « ihr », c'est mieux que « viens ». Quand on dit « sit », c'est mieux que « assis ». Princess, allez ! Princess, allez ! All right, Luffy, Zora, allez ! Zora, comment Zora ? How, Zora ? Donna ! Donna ! Donna, les guins, Donna ! Frédéric risque sa vie à chaque fois qu'il entre dans la cage au lion. Et pourtant, rien ni personne ne peut l'en empêcher. Quand vous rentrez dans la cage avec des animaux qui font pas loin de 250, voire 300 jusqu'à 320 kilos pour les plus gros quand ils vont être adultes, il y a un risque qui est considérable, surtout quand il y en a 12, 15, 16, 17, voire 20 comme ça a été le cas, vous multipliez les risques. Dingan, Chaka, Princess, 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 Chaka. Chaka, chaka, chaka. Les lions s'entraînent à jeun. Ils sont plus réceptifs aux ordres de Frédéric, ou plutôt au bout de viande suspendu sur sa fourche. Go back, Sarabak, Sarabak. Donne-moi deux morceaux de viande. Faut que les bêtes soient intéressées. Ce qui les intéresse, c'est qu'il y a la récompense. Sit, chaka, sit. Zora comme Ia, Zora Ia. Zora, donna guan, donna. Et l'estomac vide, ils sont aussi beaucoup plus agressifs. Tous les jours, je travaille avec des lions. C'est normal que de temps en temps, je prenne des coups. C'est impossible, jamais rien. Faut surtout pas penser que c'est des gros chats ou que c'est des gentils gros chiens ou des gentils gros chats. Pas du tout. Ça reste des prédateurs, ça reste des fauves. Il suffit d'un grain de sable dans l'engrenage ou d'une seconde pour qu'ils se retournent et qu'ils se revivent contre moi. Au milieu de ces prédateurs, Frédéric a bien conscience que sa vie ne tient qu'à un fil. Pour son entourage, ce n'est pas simple de gérer un quotidien où le danger de mort est constamment présent. En particulier pour sa compagne Sophie, la régisseuse du cirque. Tout le monde tremble, entre guillemets, pour moi, automatiquement. Le fait de voir la façon dont je travaille avec ces animaux et qu'il y a un risque, parce que parfois ils viennent sur moi ou ils m'attaquent, automatiquement, eh ben, ça allait me dire, mais maintenant on ne voit plus le numéro de la même façon, on ne voit plus les choses de la même façon, parce que c'est toi qui es dedans. Je dis, ouais, mais je suis le dompteur, donc... Alors, arrête ça. How. Non, ok, Ryan, yell. You're brave, yell comme Ia. Good girl. Frédéric est le seul dompteur au monde à réaliser une représentation avec des lions blancs. 12 au total, qu'il a récupéré bébé en Afrique du Sud. Il faut attendre l'âge de 1 an et demi avant de commencer le dressage avec les lions. Donna. All right, come on, Donna, allez. All right, hop, Zora Gwan, Donna. Donna Gwan, Donna, allez, Donna. Non.
À vrai dire, je suis le dominant parmi tout le monde, puisque c'est moi qui suis en quelque sorte comme le chef de la meute, et c'est moi qui dirige tout le monde et qui ai la place de dominant au milieu de tout le monde. Après, les deux mâles que vous avez là essayent de prendre cette dominance sur moi. Mais normalement, avec le temps, ils n'ont jamais réussi à me prendre ma place. Enfin, moi, j'espère qu'ils n'y arriveront pas, parce qu'autrement, ça veut dire que je ne suis plus sur la piste. Après l'effort, le réconfort. Les lions passent à table. C'est pas loin de 8 à 10 kilos de viande chacun par jour. Frédéric reste extrêmement vigilant. L'opération est délicate. L'instinct de chasse de ses prédateurs les rend incontrôlables. Tranquille maintenant. Les lions sont des prédateurs redoutables, grands amateurs de viande. Les humains représentent donc une proie potentielle. C'est bien ce qui reste le plus effrayant dans l'esprit du grand public. C'est justement là-dessus que les dompteurs jouent. Après la figure de la tête dans la gueule, Chahut va exécuter un numéro unique, encore plus impressionnant. L'exercice est particulièrement osé. Et la note d'humour permet de désamorcer le stress du public. Un public qui a finalement l'air plus choqué à l'idée du goût de cette bile qu'au risque entrepris par le dompteur. C'est tout l'art de jouer avec l'émotion des spectateurs. C'est maintenant l'heure pour Chahut de faire la dernière figure du spectacle, celle où il s'est fait attaquer par l'animal. Une mauvaise prise en main et la morsure est instantanée. Aujourd'hui, le crocodile n'a visiblement pas envie de jouer le jeu. Chahut va enchaîner trois spectacles comme celui-ci. Et à chaque fois, il devra rester en vigilance maximale. Dans un coin de l'arène, de façon tout à fait discrète, une personne ne perd rien des moindres faits et gestes des dompteurs de crocodiles. Cette personne, c'est Shuta, le responsable de tous les dompteurs. Dompteur lui-même pendant plus de 20 ans, c'est le plus expérimenté de tous. C'est lui qui a mis en place toute la chorégraphie du spectacle. Aujourd'hui, comme chaque semaine, il faut nourrir les crocodiles. Et ça, c'est le privilège de Shuta, en tant que mâle dominant de l'arène. Allez, ouvre la bouche. C'est un moment dangereux, faut être attentif.
Si quelqu'un n'a pas d'expérience, c'est dangereux. Quand les crocodiles ont faim, ils se précipitent sur la nourriture. Il faut donc bien savoir se positionner par rapport aux crocodiles. Les crocodiles regardent des deux côtés, mais ils ne peuvent pas nous voir si on est en face d'eux. Il faut donc se positionner en face d'eux et surtout éviter de se mettre à droite ou à gauche. Quand les crocodiles mangent la viande, ils l'attrapent toujours sur le côté. Voilà, jamais en face. Ils balancent la tête sur le côté pour attraper le morceau. Voilà, il ouvre et il balance la tête sur le côté. Alors comme vous voyez, au moment où le crocodile ferme la bouche, si on reste immobile, il ne fait rien. Mais par contre, si on essaie de tirer au secouer comme je viens de faire, lui aussi il va secouer pour arracher sa proie. Allez, marche, marche. Allez. Nous sommes nombreux parce que c'est un moment dangereux. Quand on distribue la nourriture, certains des crocodiles arrivent tout d'un coup en courant pour l'attraper. Alors il faut vraiment qu'on observe tout autour de nous pour contrôler la situation et ne pas se faire attaquer. Shuta est un véritable mentor pour Shahut et tous les autres dompteurs. Son expérience est énorme et lui aussi s'est fait attaquer par les crocodiles. Donc j'ai fait une certaine erreur et c'est pour ça que j'ai eu cet accident. Le principal, c'est quand j'ai été mordu à la tête. Le problème, c'est que c'était pendant un spectacle. Un spectacle que je ne connaissais pas assez, j'avais pas assez d'expérience. Donc j'ai fait une certaine erreur et... Les cicatrices de Shuta sont indélébiles. Elles sont là pour lui rappeler à lui et à ses dompteurs que le danger peut surgir à tout instant. Un crocodile peut toujours mordre à n'importe quel moment. La première représentation de Frédéric ne va pas tarder à commencer. Le cirque se remplit, une longue journée l'attend. Il va devoir enchaîner trois spectacles. Entrez. Oh, la préparation, c'est pas grand-chose. Je me redonne un coup sur les yeux, vite faire. Je travaille avec la casquette maintenant. Je la mets partout. C'est pour ça que vous me voyez avec la casquette. Et puis, il s'avère que ça m'a porté chance aussi. Parce que jusqu'à maintenant, avec les lions blancs, eh bien, écoutez, ça se passe plutôt bien. Et c'est bon, voilà, autrement j'ai les paillettes, les strass, il me reste juste à mettre un bouton. La pression monte pour Frédéric. À quelques minutes du show, il s'accorde un dernier moment de complicité avec ses lions. C'est important de voir comment sont les bêtes aussi avant d'aller dans la cage. Parfois, il y en a qui peuvent être énervés, il y en a qui peuvent peut-être pas avoir envie. C'est comme nous, hein, c'est des êtres vivants, donc... Le compte à rebours démarre. Le dompteur est concentré et prêt. Le roi de la jungle peut enfin entrer dans l'arène. Pendant 15 minutes, seul dans la cage et entouré de ses 12 lions, Frédéric est confronté au plus grand danger. Malgré son expérience, il suffit d'un seul faux pas, d'un seul élément perturbateur, pour que les lions se retournent contre lui. Tu sens comment épuisé, ça va? Non. Oui, bien. Pas de problème. Mets-toi, hein.
À peine sorti de la piste, Frédéric en profite pour se réfugier dans sa caravane. Un moment capital pour récupérer. À l'entracte, on en profite pour vite manger un petit peu quelque chose, parce qu'après, on n'a pas le temps. Donc on mange avant pour pouvoir aller dormir après, parce que sinon, on ne tient pas. Hein. On n'est pas des surhommes. Hein. Donc voilà, chin, amour. Chin. Bon, c'était bien quand même. Hein. Non. Mais si, c'était bien quand même. Le premier spectacle à peine terminé, il faut déjà enchaîner avec le second. La fatigue se fait ressentir. Le danger est donc de plus en plus présent pour le dompteur. Pour chaque représentation, Dicky garde un œil attentif sur Frédéric. Il est prêt à intervenir, mais il n'est pas le seul. Sophie, placée un peu plus loin, est également sur le qui-vive. Je fais vraiment très attention à son numéro. Et là, c'est un quart d'heure, 20 minutes de pression, aussi de concentration, où je pense voilà, à regarder les bêtes, à surveiller et puis peut-être à alerter ou à intervenir si jamais Frédéric est en réel danger. Très bien. Tu commences à être fatigué au bout du deuxième. Et ça joue sur le spectacle. S'il y a plus de danger, c'est quand on est fatigué. Oui, bien sûr. Les bêtes le voient, ils le sentent. Ils peuvent m'attraper plus facilement, hein, c'est sûr. Quand on est fatigué, on multiplie les risques. Hein, avec 3 spectacles par jour, on multiplie par 3. Il est fatigué ? Non, il n'est pas fatigué. Mais il ne doit jamais relâcher son attention. Le numéro qui va suivre est unique en son genre. C'est la grande fierté de Frédéric. Il est le seul dompteur au monde à pouvoir s'allonger sous ses lions blancs. Les bêtes à s'occuper, il y a encore le final à faire. Pas fini. Encore 2h30. Tout à l'heure. Frédéric Edelstein dompte l'un des animaux les plus dangereux au monde. Sa passion peut lui coûter la vie à tout moment, mais c'est elle aussi qui le rend plus vivant. Je sais pas si je suis plus fort, je suis juste peut-être plus fou. Travailler avec des animaux dangereux demande un brin de folie. Il le faut pour accepter qu'une attaque puisse survenir à tout instant. Le moindre geste de travers et le pire est à craindre. Aujourd'hui, c'est ce que Shuta va rappeler à son équipe en analysant avec eux les gestes qui peuvent déclencher une réaction dramatique. Vous voyez, au départ, il se positionne bien. Il se met en face du crocodile. Mais au moment où il se positionne pour mettre sa tête, vous voyez, il se met trop de biais. Regardez là, voilà. Heureusement, sur cet incident, le crocodile a très vite relâché sa proie. Pourtant, il a la réputation de ne jamais le faire. C'est ce que va subir cet autre dompteur durant son face-à-face avec l'animal. Là, en fait, ce qui est arrivé avec cet accident,
c'est qu'un touriste dans la foule a jeté une pièce de monnaie qui a touché le crocodile. Le crocodile a été surpris et a fermé la gueule. C'est un accident qui n'est pas dû à l'erreur du dompteur, mais qui est lié aux circonstances, à la malchance. Vous voyez, là, le problème, c'est que quand il s'est fait attraper la main, il n'est pas resté immobile. Donc, automatiquement, le crocodile s'est mis à tourner sur lui-même. Ce que cherche le crocodile, c'est arracher le bras de la personne. Le vrai problème, c'est que le dompteur n'a pas immédiatement compris qu'il fallait tourner en même temps que le crocodile. Pour Shuta, il est extrêmement important que son équipe intègre toutes les réactions qu'il faut avoir en cas d'accident. Une chose que je veux vous dire sur les crocodiles et que vous devez savoir, c'est que toutes les personnes qui interagissent et qui travaillent les spectacles avec eux se font mordre un moment ou un autre. Lui, c'est comme sur la vidéo que vous avez vue. Quand il s'est fait mordre la main, le crocodile s'est mis à secouer la gueule, sauf qu'il ne s'est pas mis à tourner. Pour éviter au maximum les accidents, il faut que les dompteurs créent sans cesse un lien privilégié avec les animaux. Et c'est justement l'heure pour Shaout d'avoir ce moment. Il se prépare à faire un soin assez inattendu. C'est une brosse à dents normale. On l'a juste modifiée pour pouvoir nettoyer les dents des crocodiles, parce qu'il y a souvent des morceaux de nourriture qui restent coincés dans leurs dents. On fait tous ce soin. On est non seulement dompteur, mais aussi soigneur. On doit les suivre et les soigner parce que c'est la seule manière de créer une familiarité entre les animaux et nous. Shaout s'occupe de la gueule du crocodile dans lequel il met sa tête. Important en effet d'avoir un maximum de complicité avec lui. Et en effet, le crocodile comprend parfaitement que ce sont des soins que Shaout lui donne. Et il a l'air d'aimer ça. On compte plus de 500 attaques de fauves sur l'homme chaque année. Le lion fait partie des prédateurs les plus dangereux au monde. Rares sont les dompteurs qui ont pu échapper aux morsures ou aux mauvais coups de patte. Et pour certains, l'accident a même été fatal. Bonjour. Fabrice Farina est dompteur de fauves depuis l'âge de 14 ans. Le risque du métier, il le connaît bien. Cet ancien dompteur de 61 ans a frôlé la mort en Italie avec l'un de ses propres tigres. Alors, j'avais un numéro de tigre et de lion et je voulais insérer un autre lion plus jeune. Et comme il n'était pas habitué à la musique, à la lumière, aux habits, aux couleurs, au public et tout, et il a vu le public, la lumière, tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné en arrière. Et à ce moment-là, quand je suis descendu dans le tunnel, la tigre de l'autre côté, là-bas, elle est passée. Et je me suis retrouvé face à face avec la tigre. Et la tigre, elle a commencé à jouer, mais les animaux, ils jouent. Et puis après, ils s'excitent. Là, et alors, j'ai mis les mains sur les yeux pour pas qu'elle me voie, pour essayer d'éviter les dégâts le plus possible. Et elle s'est retrouvée avec mon genou. Et elle m'a mordu. Là, on ne peut rien faire. Quand elle te croche, elle t'accroche. Et puis, quand il tire. C'est pas... C'est fort, c'est des animaux forts. Non, sur le moment-là, on pense à rien. On pense à sortir de cette situation le plus vite possible. Et après, quand on est dehors, ben, après, on réfléchit aux bêtises qu'on fait, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Parce que c'est des animaux ça, que normalement, on ne peut pas lutter. En main nue comme ça, même avec un bâton, même avec une fourche, même avec ce que vous voulez, c'est des animaux que... S'ils veulent nous attaquer pour nous manger, c'est des animaux qui sont plus forts que nous, on ne peut rien faire. Fabrice s'en sort avec plusieurs opérations du genou. Mais le pire a été évité. Quelques minutes de plus enfermé avec le tigre, et le dompteur n'aurait peut-être pas eu la chance de s'en sortir vivant. Fabrice se rend au cirque Arlette Grus à la rencontre du dompteur de fauves. Bonjour, messieurs. Oh, mon enfant. Bonjour, monsieur. Merci, bonjour, monsieur.
C'est une rencontre importante pour Fabrice, surtout quand on sait que ce fameux dompteur est son fils unique, Emmanuel. Les choses n'étaient pas gagnées au départ pour Emmanuel. Son père s'est toujours opposé à l'idée qu'il devienne dompteur. Il a donc tout organisé en cachette. Oui, oui, je sais qu'il faut qu'il fasse attention à certains des animaux. Les autres, ils sont, disons qu'il peut les toucher et tout ça. En le connaissant, maintenant, je suis plus tranquille. Mais au début, c'était un peu énervant. Allez. J'ai demandé beaucoup de fois à mon père de m'apprendre, mais lui, c'était un peu contraire parce que ça. Il m'a... Pourquoi lui, il ne voulait pas. C'était comme ça. Il avait peur que je me faisais mal. Et même si je faisais des beaux numéros, c'était pas mon... Je ne me sentais pas réalisé. Et alors, j'ai dit non, je veux faire le dresseur de fauves. Et je l'ai décidé. Je ne l'ai pas demandé. Je l'ai décidé. Il m'a dit, papa, tu peux m'aider à acheter ci, à acheter là. Puis bon, il voulait améliorer, on avait des serpents moi aussi, il voulait améliorer la remorque des serpents, tout ça. Oh, j'ai dit, ok. Alors. Et lui m'a dit, ah bien, très bien, tu vas faire un grand remorque pour les serpents. Oui, 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 je vais faire un grand remorque pour les serpents, tu verras quand il est fini. Mais quand je l'ai fini, il a vu que ce n'était pas pour les serpents, c'était pour les fauves. Et j'avais déjà pris 2 fauves. Et donc... Ce sont moi et mon cousin, on n'était pas contents. Allez, j'ai pas essayé de dissuader parce que vous savez, les jeunes, moi j'ai été jeune moi aussi, il suffisait de me dire non, ne fais pas ça, que je l'aurais fait. Alors donc, la jeunesse c'est comme ça et c'est pas la peine de les critiquer parce que nous on n'était pas mieux quand on était jeunes. Ça va très bien comme ça et l'important c'est que c'est un travailleur. Qu'il aime ce qu'il fait, qu'il se prend soin de ses animaux, ça c'est important. Certains ont plus de chance que d'autres. Les deux dompteurs en ont bien conscience. Rentrer en cage et sortir, pour moi, c'est comme aller boire un café au bar et voilà, je ne suis pas plus chanceux que l'autre. Hein. Il y a des gens plus chers qui n'ont jamais rien fait de leur vie. Ils se font tuer. Je suis chanceux pour ça, oui, oh oui. Dompter l'un des prédateurs les plus dangereux au monde, ils ne s'en lasseront jamais, et peu importe le prix. Si moi je dois choisir la mort, alors je préfère beaucoup finir mes jours dans la cage que finir mes jours dans une maison de repos, de retraite. Le risque d'attaque mortelle est bien présent pour les dompteurs d'animaux sauvages. Ils doivent vivre avec et l'accepter. Sans ça, impossible d'avoir le courage d'entrer dans l'arène. Alors, pour créer le maximum de confiance entre l'homme et les animaux, les dompteurs doivent les dresser dès leur plus jeune âge. Pour les crocodiles, c'est identique. À la ferme de Pattaya, ils se reproduisent sur place. Les dompteurs peuvent donc les manipuler dès leur naissance. Comme ça, c'est une bonne façon de le tenir. Il faut poser la main en dessous de sa gorge. Il faut aussi passer sa main au-dessus de sa tête. Ça l'apaise. Ça permet d'établir une relation de confiance entre lui et la personne qui le tient. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas forcer la direction de sa tête. Il ne faut pas la lui bloquer, mais juste faire en sorte qu'elle repose sur votre main. Il déteste qu'on lui force la tête dans une direction ou une autre. C'est vraiment une question d'habitude. Plus le crocodile a l'habitude d'être pris dans les bras d'une personne, plus il sera docile. Nous sommes à quelques minutes du dernier spectacle de la journée. Avec la fatigue, il faut faire très attention à ne pas baisser sa vigilance. Chahut et ses camarades font une dernière séance de musculation pour se reconcentrer par l'effort physique. Pour le dernier spectacle de la journée, Chahut n'aura que très peu de spectateurs. Mais peu importe, il doit fournir le même effort, qu'il y ait une ou 150 personnes.
Sa dernière figure, celle où il porte le crocodile à bout de bras et avec laquelle il a eu son accident, ne se passe pas du tout comme il le veut. Le crocodile en a visiblement assez et il n'a pas l'intention de se laisser faire. Le crocodile a attendu le relâchement de Chahut pour s'échapper. C'est la seconde fois. Entre l'homme et l'animal, c'est maintenant un rapport de force qui s'installe. Chahut n'a pas l'intention de laisser le crocodile dominer la situation. Je ne pouvais pas renoncer à faire la figure. Parce que si je renonce, c'est un peu comme une victoire pour lui. Il va se dire qu'à chaque fois, il peut faire la même chose. Il faut que je lui montre que c'est moi le maître. Chahut, comme les autres dompteurs, ne doit jamais s'avouer vaincu. Mais il ne doit pas non plus céder à un excès de fierté, ce qui lui ferait dangereusement baisser sa garde. C'est fini pour aujourd'hui. Et demain est un autre jour. Il faudra recommencer. Mais là, je me sens relax. Il est 18h et c'est la fin de la journée pour Chahut. Il va enfin pouvoir profiter de sa compagne et lui montrer qu'il est de retour, sain et sauf. Je me sens soulagé quand, à la fin de la journée, il n'y a pas eu d'incident. Si je ne me suis pas fait mordre. C'est vrai que c'est un métier dangereux. Mais j'ai salué le Bouddha, j'ai salué l'hôtel, et donc tout s'est bien passé. Le travail de Chahut est un travail dangereux, et il le sait. Il le fait par passion et ne regrette rien. C'est un métier qui lui rapporte un bon salaire et qui lui permet de vivre dans un lotissement privatif avec gardien à l'entrée. Chahut a une villa toute neuve qu'il vient d'acheter il y a 3 mois. Une récompense bien méritée dont il va pouvoir profiter pendant les prochaines années, avec Wout, sa compagne. C'est une photo qui a été prise il y a pas mal d'années. Je peux dire que la carrière de mon mari est un succès. Il a travaillé beaucoup d'années à la ferme aux crocodiles. Grâce à ça, il a pu nous acheter une maison, une voiture et plein d'autres choses. On peut dire que grâce à son travail, notre vie s'est vraiment améliorée au fil des années. C'est un vrai succès. Wout est très fier de son compagnon et profite largement de son niveau de vie. Mais cela a un prix. Quand il part au travail le matin, j'ai toujours une inquiétude par rapport au crocodile. En même temps, je sais qu'il a beaucoup de techniques et qu'il est très expérimenté. Donc cela me rassure. Mais je garde toujours quand même un fond d'inquiétude. Une appréhension sur ce qui peut lui arriver. Frédéric et Chahut sont deux dompteurs d'animaux particulièrement dangereux. Ils savent qu'à chaque instant, c'est toute leur vie qui peut basculer. Leurs compagnes doivent apprendre à vivre avec, car avant toute chose, c'est un métier que chacun d'eux a sciemment choisi. Ils se donnent, l'un comme l'autre, toutes les chances d'éviter le pire. Mais quoi qu'il arrive,
ils ne regretteront rien.